président Amiens Elagi, président de Carcis Cops, coopérative agricole Rebote de Côte d'Ivoire, et juste à l'intérieur de 2012. Et nous aussi, on fait à Tchéké, la Cali et tout. On amène les femmes à comprendre l'importance du travail, pour travailler et se prendre en charge aussi, pour aider aussi l'homme. Et il faut dire qu'avant, on travaille, mais c'est pour nous, pour nous. Il faut râper le manioc. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, avec CDT, nous avons une machine vraiment très performante. Et nous travaillons vraiment très à l'aise. On va faire en tout cas plus grand qu'avant, parce qu'avant c'était fini. Et maintenant, on croit qu'on peut produire plus qu'une tonne même. Plus que ça, parce qu'on voit qu'il y a la performance. En concasse comme ça, on allume maintenant la machine. Et après, on renverse le manioc dans la machine pour piler, accompagné d'un bois pour aider, pour que ça puisse bien descendre. Voilà un peu ce que nous faisons. Le manioc est tellement bien pilé. Voilà la pâte. Oh, il y a d'autres machines. Quand on pile, ça concasse, mais ça ne pile pas bien. Il fallait qu'on pile ça deux fois. Mais avec cette machine-là, on pile une seule fois et c'est très bien pilé. La différence est là. La qualité. Et puis, vous voyez aussi, ça ne rit pas, en tout cas. Ça ne rit pas. Par contre, il y a d'autres machines qui se ruent. Mais cette machine ne se rit pas. La qualité. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis mademoiselle Coin Sandrine, commerciale au CDT. Dans le cadre de l'accompagnement du CDT aux coopératives ou aux personnes qui ont acquis des machines de notre structure, nous sommes rendus aujourd'hui à Binao, déjà pour visiter la coopérative et ainsi venir faire un entretien et un service après-vente. Ce broyeur est un broyeur de manioc avec une capacité qui varie entre 500 et 700 kg à l'heure et est en acier inoxydable. Il fonctionne avec un moteur gasoil, mais il peut être adapté un moteur électrique et les capacités aussi varient selon les besoins du client. Maintenant, nous insistons sur le fait que la machine va être nettoyée après utilisation pour qu'elle garde sa durée de vie. Outre ce broyeur, le CDT peut fournir à tous les acteurs de ce domaine d'activité une ligne complète de production d'attiqué. Pour acquérir ce broyeur ou même prendre des renseignements sur le coût de la ligne de production d'attiqué, pouvez-vous rendre au CDT situé à Makori-Bietri, en face de la résidence Philippe Yassé. On va triper pour CDT, on va triper parce que grâce à eux, on a une machine performante. C'est super!